Le rôle de l'ingénieur agronome en rapport avec les défis de l'agriculture, si vous voulez, je ne peux pas être exhaustif et traiter tous les aspects. Je vais essayer, si vous voulez, plutôt de provoquer un peu, si vous voulez, un débat sur la question qu'on aura peut-être, si vous voulez, à développer après. Quels sont les objectifs de l'agriculture et les agronomes? Donc j'aurai plutôt deux grands axes, si vous voulez, sur lesquels je vais me consacrer. Le premier est relatif quand même à cette agriculture. C'est quoi notre agriculture, les problématiques, et après je traiterai un peu de certaines idées sur la formation ou la profession de l'ingénieur agronome. Premièrement, le premier rôle de l'agriculture, c'est certainement la sécurité alimentaire. Mais il y a quelques années, on ne parlait pas de sécurité, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Donc, si vous voulez, on a changé de pas. Deuxièmement, c'est le développement agricole qu'on a toujours oublié, et si possible, le développement rural. C'est quand même très important, si vous voulez, cet aspect à l'échelle régionale. En réalité, le vrai moteur de l'agriculture, ce sont les exploitations agricoles, qu'on a toujours oublié, ou souvent oublié, dans la formation et dans les stratégies. Le cœur du problème, ce sont les exploitations agricoles. Le souci de la plupart d'entre les agronomes des dernières décennies était la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de la compétitivité afin de satisfaire, bien sûr, la demande alimentaire du marché intérieur et développer l'exportation parce que la vision était la sécurité alimentaire, c'est exporter, importer. Quelles sont les caractéristiques de ce secteur agricole dans lequel, si vous voulez, qui nous est très cher, sur lequel, si vous voulez, beaucoup de nous ont passé des années de leur carrière, si vous voulez, à les développer? Premièrement, il y a la dualité sectorielle. Et malheureusement, il n'y a pas souvent cette complémentarité dans la vision. Le monde irrigué est à part, a ses objectifs, le monde, si vous voulez, en sait, a ses problématiques à part. Il y a 9 à 12% du PIB, il est en état de décroissance, c'est-à-dire que les autres secteurs sont en train de progresser mieux que l'agriculture. L'emploi, c'est 15 à 20%, place importante dans le marché de l'emploi. 7,3% uniquement des investissements dans le pays. Ce que vous remarquez, c'est que le monde agricole est en train de s'appauvrir dans la mesure où il y a place importante du marché de l'emploi, alors que sa part dans le PIB diminue et sa part dans les investissements est assez faible. On oublie aussi que 39% de la superficie agricole sont occupées par la petite exploitation. Il fait 73% du nombre des exploitants agricoles. Un tiers, si vous voulez, pratique à peu près de l'irriguer. Les 2/3 sont dans le sec. La plupart des exportations agricoles et alimentaires dans la balance commerciale est en baisse et ne représente plus que 11% des exportations totales. La demande alimentaire est en augmentation et le taux de couverture atteint uniquement 70%. La production céréalière quand même est marquée par, si vous voulez, une fluctuation qui est liée au climat, d'une autosuffisance qui est aussi entre 16% et 60% selon la pluviométrie de l'année. Les importations, petit schéma, c'est essentiellement les céréales. Ça interpelle quand même, si vous voulez, tous les agronomes. Et c'est les denrées essentielles de notre nourriture. Les exportations, c'est l'huile d'olive, si vous voulez, et les dattes, les agrumes, de quelques produits provenant du secteur agricole. J'en passe. L'agriculture, ou notre, si vous voulez, agriculture, est marquée particulièrement par des ressources en eau très rares. Et elle s'accapare de 80% des ressources, si vous voulez, du pays. Elle n'est possible que sur 8% de la superficie agricole, mais quand même, elle arrive à produire presque 35% en valeur de la production agricole. Elle participe à 20% de la valeur des exportations et compte pour 20% de la création de l'emploi dans l'agriculture. J'ai essayé, il faut dire, de faire plutôt une analyse un peu plus différente, si vous voulez, du problème. Et je vais utiliser la méthodologie SWOT, qui s'intéresse plutôt aux atouts, opportunités, les faiblesses et les menaces. Les atouts et les opportunités, c'est les facteurs, si vous voulez, qui sont favorable. Les faiblesses et les menaces, c'est les facteurs qui ne sont pas, si vous voulez, qui sont défavorables.
Les atouts et les faiblesses, c'est des facteurs internes, et les opportunités et les menaces sont des facteurs externes. Si je prends les atouts, si vous voulez, quels sont les atouts, si vous voulez, de notre agriculture? C'est avant tout un climat propice, qu'on le veuille. Nous sommes dans le climat méditerranéen. Ça nous permet de beaucoup de choses, le climat méditerranéen. Pour voir la Californie, qui est la plus grande puissance, si vous voulez, agricole, elle est dans le climat méditerranéen. Elle n'est pas dans le climat tempéré, si vous voulez. La diversité des régions, terroirs, systèmes de culture. Nous avons quand même, si vous voulez, sur 800 km à peu près du pays, presque tous les climats possibles, si vous voulez, pour produire des variétés de cultures très intéressantes. La dimension stratégique, sociale et économique de l'agriculture, elle est là, bien que le secteur, il est considéré secondaire, si on veut. Plusieurs réformes économiques et institutionnelles sont déjà engagées. C'est un acquis, quand même. Si vous voulez, niveau avancé de la mobilisation de ressources en eau et la possibilité de progrès encore importante, si vous voulez, qu'il nous reste à faire dans notre agriculture. Quelles sont les faiblesses? Elles sont nombreuses. Bon, il y a le risque agricole, le risque climatique, excusez-moi, les faiblesses. Il y a le risque climatique permanent. Avec tous les aléas climatiques que nous avons, le problème de la durabilité de nos ressources naturelles, il faut voir que le progrès que nous avons fait ces dernières années dans le domaine agricole, c'est au dépend de la surexploitation de nos ressources en eau, surtout les nappes phréatiques, comme vous le connaissez. La mer est déjà surexploitée, les sols sont déjà érodés, donc pratiquement ça n'a pas été fait d'une manière, si vous voulez, un peu durable. Faible productivité du secteur des légumes. Je vous rappelle que dans les légumes, le rendement moyen des céréales n'est que de 35 à l'hectare. Ça vous donne une idée. Le mal développement des organisations professionnelles, je pense que si tu essaieras, si vous voulez, d'en parler, il n'y a pas beaucoup d'organismes professionnels dans l'agriculture tunisienne. Il y a la filière appui agro-industrielle très peu performante. 90% de notre huile est vendue en vrac, si vous voulez, pour montrer un peu le peu d'intégration, si vous voulez, de l'industrie. Et bien sûr, je pense qu'il y a la faible intégration des régions. Chaque région, si vous voulez, mène sa politique agricole sans qu'il y ait une certaine cohérence. Et l'insuffisance dans la recherche de développement, je pense que c'est un des problèmes où tout le monde en souffre. Les opportunités, il y en a aussi. Premièrement, le potentiel d'être compétitif est encore non exploité. La demande interne alimentaire est en croissance. Il y a la proximité aussi de beaucoup de marchés externes. C'est aussi une grande, si vous voulez, opportunité. Nous avons un accord euro-méditerranéen pour l'agriculture et la pêche. Bon, il est critiquable, mais il pouvait être amélioré sans aucun problème. Il y a, et ça, il faut le sachiez, il y a un regain d'intérêt pour la question agricole et la sécurité alimentaire à l'échelle internationale aujourd'hui. À partir de 2005, avec la crise, si vous voulez, alimentaire, il y a un regain. Donc il faut que notre agriculture prenne aussi sa chance dans cet aspect. Tout le monde est conscient de la problématique. Quelles sont les menaces? Elles ne sont pas très nombreuses. En réalité, il y a les impacts probables, si vous voulez, du changement climatique et de la crise de l'énergie. L'agriculture est assez consommatrice d'énergie. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la concurrence entre les pays maghrébins. Nous présentons presque les mêmes produits à l'exportation. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et nous sommes en pleine concurrence. C'est larvé, mais c'est une réalité. Il y a aussi la volatilité des prix agricoles et dépendance accrue vis-à-vis des marchés internationaux. À partir de là, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le modèle de développement agricole a été basé sur la mobilisation excessive de nos ressources naturelles, orientation vers l'exportation pour les produits ayant un avantage comparatif naturel, la sécurité alimentaire est assurée commercialement, c'est-à-dire grâce à la balance commerciale. Ce modèle a atteint ses limites écologiques, sociales, de sécurité alimentaire. D'où la nécessité d'inventer un nouveau modèle dans le cadre d'une vision globale et innovante et sur la base d'un nouveau contrat entre la société et le monde agricole. L'agriculture aussi, ou le ministère de l'Agriculture, occupe presque tous les territoires du pays. Et ça ne se traite pas en termes uniquement de production agricole.
protéger ces territoires, si vous voulez, le conserver et le rôle de l'agriculture. La recherche de solutions, certainement, ce n'est pas uniquement l'ingénieur agronome, il faut qu'on ait. Les ingénieurs agronomes sont peut-être des leaders. Ça intéresse tout le monde, les scientifiques, si vous voulez. Il faut quand même, si vous voulez, faire partager les connaissances des différents acteurs professionnels, les scientifiques, les ingénieurs, les organismes de régulation, les financiers, les économistes, les décideurs politiques, à la fois à l'intérieur de notre secteur et à l'extérieur du secteur agricole. Ce n'est pas une affaire interne, l'agriculture. C'est ça ce que nous avons fait pendant longtemps. C'est une affaire de l'ensemble, si vous voulez, de la société qui doit participer, si vous voulez, à l'orientation de l'agriculture aussi. Il y a à se demander d'ailleurs si les ingénieurs agronomes sont préparés à tous ces défis, à toutes ces difficultés. Il n'y a pas une approche unique, si vous voulez, de l'ingénieur agronome. On peut le former de différentes manières, mais il y a certainement actuellement une volonté de changement qui est devenu impératif, quelle que soit l'approche avec laquelle nous traitons l'ingénieur agronome. Alors, quelle est la place de l'ingénieur agronome et quelle est la démarche de l'agronomie moderne? Je pense que l'agronomie est avant tout l'étude de l'ensemble des relations qui existent entre les milieux naturels et le monde du vivant dans un contexte socio-économique déterminé. On doit se définir, et je trouve que c'est peut-être celle qui est la plus proche, si vous voulez, de notre activité. Elle vise à être une science qui explique ses relations dans leur ensemble. L'agronomie, ce n'est pas directement l'agriculture. C'est un passage, si vous voulez, presque simpliste. C'est une science, elle vise à être une science. L'agriculture, elle n'a pas été créée au XXe siècle. Elle a existé, si vous voulez, avec l'humanité. L'agronomie, c'est une science, si vous voulez, qui est arrivée un peu tardivement pour renforcer l'agriculture. Sa pratique suppose une formation polyvalente, solide, avec sa facette scientifique, physique, biologie, mathématiques. C'est son point fort. Vous ne pouvez pas être uniquement des biologistes. C'est un leurre. Tous les facteurs externes à l'agriculture n'est pas biologique, il est de la physique. Les mathématiques, c'est la formation de l'ingénieur. Et c'est ça le point fort, quand on allie les trois disciplines scientifiques. La connaissance de nombreuses disciplines de base, j'en passe, si vous voulez, elles sont de plusieurs natures. De la physiologie, la climatologie, la science du sol, mécanique, etc. Mais notre point faible, particulièrement en Tunisie, c'est qu'il manque l'ingénierie économique, elle manque dans notre formation. L'ingénierie sociale manque dans notre formation sociale. Le droit manque dans notre formation agronomique. Et l'informatique, malheureusement, c'est notre point faible. Constaté dans les écoles d'ingénieurs agronomiques, on n'enseigne pas l'informatique. Volontiers. Quant à l'agriculture, à mon avis, c'est une technique exploitant les données de l'agronomie, je venais de le dire. Et l'agriculteur est en réalité un entrepreneur qui, partant du diagnostic de l'agronome, va devoir prendre des décisions. Mais toute décision suppose des choix, donc des risques à prendre en tenant compte des différentes stratégies possibles pour atteindre l'objectif de revenu, très souvent. L'agriculteur cherche un revenu, ne cherche pas la bonne technicité, ne cherche pas un rendement maximum, si vous voulez, si économiquement il est perdant. Il ne faut pas oublier que c'est un agent économique. Et nous devrions traiter cette question, si vous voulez, dans le meilleur délai. Le rôle de l'agronome est donc d'étudier et de prévoir les relations et les réactions de l'ensemble des systèmes agricoles dans l'immédiat et dans le long terme. Deuxièmement, de déterminer les stratégies possibles pour atteindre une production déterminée sur l'exploitation, pour prospecter et valoriser des filières, et pour la mise en place d'une politique régionale ou nationale et d'y chiffrer les risques afférents à ces stratégies. Et c'est pour ça que ce chiffrage est le point fort de l'ingénieur agronome et qui nécessite, si vous voulez, qu'il soit bien préparé à ces questions. La recherche-développement, moi, à mon avis, constitue une part essentielle de l'activité de l'ingénieur agronome. Cependant, l'évolution rapide de la recherche exige de l'ingénieur qu'il s'adapte,
Il s'adapte souvent, si vous voulez, il doit s'adapter, si vous voulez, à son contexte. Sa formation à la fois théorique et pratique doit lui permettre d'avoir un esprit scientifique, j'insiste. Et c'est ça notre point. De porter un diagnostic, de prendre une décision d'action performante et innovante. Un ingénieur, c'est avant tout un homme d'action. C'est comme le médecin. Ce n'est pas un homme de recettes. Les recettes, ça existe aussi souvent. Nous sommes aussi empiriques. Nous ne sommes pas scientifiques à 100%. Alors, ingénieur au ménager, c'est quoi l'agronome? J'ai utilisé un peu le terme manager pour ne pas utiliser le terme gestionnaire, qui est assez banalisé malheureusement dans la langue française. En fin de compte, il n'y a pas de carrière type. On est agronome quand on est agronome. Mais en début de carrière, s'ouvrent deux grandes voies. L'expertise technique, fondée sur des connaissances plutôt scientifiques, exige de se former en permanence, se coordonner avec d'autres disciplines, exercer une vraie technologie, faire les meilleurs des choix techniques, innover sans les défis permanents pour l'ingénieur ou l'expert sur le plan technique. Malheureusement, il y a trop peu d'ingénieurs agronomes qui veulent rester techniciens. Il y a l'expertise managériale, ce qui s'appuie sur d'autres compétences techniques. Le manager, animé par l'esprit d'entreprise, perd rapidement ses compétences techniques. Évolue dans un univers banalisé à faible technicité. Reste confronté à des situations toujours différentes, mais souvent motivantes. Il faut dire que parfois, le manager est plus motivé, d'ailleurs, si vous voulez, que celui qui s'accroche uniquement à l'expertise technique. Dans le fait, la dichotomie, c'est-à-dire cette différenciation entre technique et management, n'est pas aussi prononcée. Et dans la vie, on balance entre les deux tendances. Je ne pense pas, si vous voulez, donc, que l'ingénieur agronome va perdre sa place dans les 30 prochaines années. Il ne faut pas oublier que, d'après les paramètres que je vais démontrer, nous sommes en baisse. Mais les pays riches, si vous voulez, ont 2 à 3% de PIB et occupent 2 ou 3% de la population. Et je vous invite à la nation qui a le plus faible taux, une faible participation de l'agriculture dans le PIB, c'est les États-Unis. Prenez le rapport du président qui produit annuellement sur la situation de son pays, une part importante sur l'agriculture. Et je vous souhaite une bonne chance.